like sandpaper. Oh. Maintenant, elle parle de sa langue. C'est la première fois qu'elle parle de sa langue, je crois. Avec sa langue, c'était comme du... Comme du papier de verre. C'est du papier de verre pour... Oui, non, c'est pas du papier de verre. Ah, bref. Bienvenue, bienvenue à Milton, le paradis sur Terre. Façon de parler. Le paradis dans l'enfer, on va dire. Donc, nous sommes arrivés à Milton, nous avons... Est-ce qu'elle est au max? Je crois pas qu'elle soit au max. Elle soit pas reposée au max. Elle est pas reposée au max. On pourrait dormir. Non, on va pas le faire, parce qu'il fait jour. On va pas le faire. Donc, on a laissé un peu de nourriture, parce que pourquoi pas. On a laissé du bois, de l'eau. Parce que... Ah, encore une fois, pourquoi pas. Ça, ça. Pourquoi pas. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on récupère les fétous? Est-ce qu'on récupère les fétous? Parce que Hamilton, on va aussi avoir un... On va trouver une cuisinière comme ça, avec 6 endroits, 6 emplacements. Je dirais qu'on va prendre le fétou. Ça, par contre, on va pas le prendre. On laisse de l'eau, on laisse du bois. On a de l'eau sur nous, on a de la nourriture. Enfin, on a presque plus rien pour la nourriture, c'est pas grave. Nous avons... Ah, les pots et tout ça. Oui, oui, les pots et les boyaux, on va prendre. Ça aussi, ça aussi... On n'avait pas un boyau en plus? On avait deux lapins, pourquoi il n'y a qu'un seul boyau? Allô? Oh, c'est là. C'est bon. Le compte est bon. Juste prix est bon. Allez, on se casse. Donc, ouais, on a ça, c'est embêtant en fait. Ça va être embêtant en fait de se balader. Enfin, c'est pas le... C'est pas la viande, c'est les boyaux, en fait, qui foutent un peu la merde. Ah, on va les balancer, au cas où. Par contre, on est très très lourd. Va falloir qu'on trace et qu'on... Ah, on y va. Allez, c'est pas grave. Donc là, maintenant, notre but, c'est d'aller directement au cœur de Milton et trouver notre endroit où on va rester. Bon, ça, il fait pas très froid. Bon, on va un peu se bouger les fesses. Ah, fait chier. Il y a encore des lapins? Mais qu'est-ce qu'on est lourd, la vache. Aussi lourd. Il y a ça, oui, c'est vrai qu'à chaque fois c'est 1 kg quand même. Non, on a... C'est pas qu'on est très lourd en fait par rapport aux objets, c'est que... Ok, maintenant on est très lourd. Faut qu'on mette la corde dans la maison. On peut pas sprinter. Il a pas pris le boyau. On va avoir un problème. Je lui ai mis deux boyaux et un morceau de viande. Il a rien pris. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok, alors lui, il voulait nos miches. Hein. Lui, il était concentré sur une chose et c'était mes miches. Rien d'autre, rien d'autre. Bon, par contre, c'est cool, on a une corde. Je vois pas où, je vois pas du tout où l'utiliser, honnêtement. Mais on a une corde. Ce qui est bien, je présume. Ce qui est bien. Qu'est-ce qu'on peut
qu'on peut faire quelque chose pour notre poids, parce que c'est quand même un peu la merde. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Hein. Faut juste. Juste partir quoi. Bon, par contre, ce loup il commence un peu à me gaver là. Il fout un peu la merde. Bon, là maintenant on n'a plus de viande, plus rien sur nous. Bon, la voiture c'est fait. Je veux faire la grange là, et après on se casse. On a un marteau. Qu'est-ce qu'on fait avec le marteau? On le prend. Oh, lucky day. Ouais, mais t'es marrante. Et le poids que c'est aussi. Ça vient du barrage de Carter. Ouais, non mais attends, 2 kilos. Il est pas loin. C'est Snake. Il y a Sniper Wolf partout quoi. Bon, on a le marteau. Je sais pas pourquoi j'ai pris le marteau, ça nous sert strictement et vraiment à rien. Il n'y a pas de forge ici. Mais au moins on le mettra. Tout ça, on mettra tout ensemble en fait. Il y a ça aussi à vérifier. Je pense qu'on est bon niveau loup. À moins qu'il y en ait d'autres. Mais je crois qu'ils sont juste derrière en fait. Donc cette fois on va pouvoir partir et avancer. 1000 tonnes c'est vers là. Je parle pas trop pour écouter. Si on est lourd en fait, donc ça va être un peu embêtant si on doit esquiver une bestiole un peu trop proche. Faut qu'on récupère du bois. Il y a encore un loup là-bas. Faut qu'on récupère du bois. Faut qu'on récupère de la nourriture. Je pense qu'on va trouver dans les maisons beaucoup de nourriture. Ah bah tiens, il y avait le pont là. Est-ce qu'on peut monter là? Ouais, ça va. On n'a pas dû passer comme ça, c'est pas grave. Mais oui.
On s'installe, donc récupération de bois, récupération de nourriture, faire de l'eau, etc., etc. Mais je pense qu'on va déjà en trouver dans les bâtiments. Alors par contre, maintenant, silence radio. Un loup qui mange. Et vu qu'il y a des lapins, je serais pas étonné. D'être bon. Parfait. Eh ben, c'est bon, on est bon, on est bon. Donc, on va vivre ici pendant un long moment. Enfin, un long moment, ça dépend. Tous les jours qu'on va rester à Milton, ça va être notre camp. Ça va être notre repère. Donc on va avoir beaucoup de choses ici. Donc très très bien. Très très bien. Bon, par où on commence? Bon, déjà on se vide les poches. Alors on avait beaucoup de morceaux de bois. Alors à la limite, les morceaux de bois, en fait, on les met dans la maison, mais c'est vraiment pour les laisser dans la pour les réunir au même endroit. Mais au final, les mettre ici, c'était pas vraiment très très utile. Pourquoi? Tout simplement parce que l'établi le plus proche, si je dis pas de bêtises, le plus proche, on vient de le voir l'établi. Donc il est tout en bas vers la grange. Ouais, c'est la grange. Si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est pour ça que ça sert pas à grand chose de ramener en fait tout ça ici. Mais bon, vu que ça va être notre camp, autant le mettre là. Alors ça va être notre vitrine, on va mettre tous les objets, les surplus. On va mettre tout le surplus, le cuir séché, on n'en a pas besoin. Flair. Des flèches. Cinq flèches, donc du coup on en a 10, c'est bien ça. Ok, c'est bien ça. Voilà, on met pas toutes les flèches. Qu'est-ce qu'on va poser encore? Ici, ça va être notre grosse vitrine. On peut mettre 40 kilos, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce bâtiment-là. Parce que 40 kilos dans une vitrine, c'est quand même bien. Ça, on met tout ce qu'il faut. Ça, on va les mettre sur le feu. Ça, on vire une. Torche, on n'a qu'à en mettre... On peut en garder juste une sur nous. Le sac de couchage. Le sac de couchage, on va le garder sur nous. Le sac de couchage. Le marteau, il sert aussi à rien. Pour le moment, on va le laisser là. Le marteau, je sais même pas si on va partir avec le marteau, honnêtement. Je sais même pas si ça va vouloir le coup. Ça, on va garder la bombe. On a le café aussi. On va en mettre deux là. Les vêtements, on n'a rien pris des autres. Et ici... on va refaire un peu comme d'habitude, vu que maintenant on est, on va dire, en sécurité, entre parenthèses. Donc on va porter beaucoup moins de choses. On va porter beaucoup moins de choses. 6. Des allumettes. Paquet de 16, on va le mettre là. Ça on garde, après le reste on garde. On va se balader, évidemment, on va aller loin. Y a aucun problème. Mais... on va partir un peu plus léger maintenant, vu qu'on est tranquille. On va partir un peu plus léger. Donc on va mettre les deux faitous qu'on a extra, qu'on avait récupéré. Ah, très bien, on en garde un, on en garde ça. Ça c'est pour quand on voyage, enfin quand on va explorer.
Maintenant, on fouille toute la maison. On n'a toujours pas trop faim, donc ça va. On n'est pas en urgence, en fait. On n'est pas dans l'urgence. Ah bah voilà. Je vous avais dit qu'on allait, trouver des trucs. Mais ça serait bien qu'on... Genre cette journée-là, ça serait bien notre plan, c'est de réunir pas mal de bois. Faire déjà quelques maisons. Récupérer de l'eau. Récupérer de l'eau. Ça va aller très vite hein, pour l'eau. Si on fait cuire de l'eau, enfin fait bouillir de l'eau, ça va être très rapide. On a 4... on a 4 faits tout, à chaque fois c'est 2 litres d'eau qui est fait, donc ça va être immédiat quoi. Donc ça c'est bien. C'est pour ça qu'un multijoueur avec ce jeu serait plutôt cool. Genre là on arrive, par exemple moi je serais... Je sais pas si on serait deux, genre moi ou l'autre personne, ben, elle commence à faire déjà cuire de l'eau, par exemple, et elle s'occupe du feu en fait. Elle s'occupe du feu, alors que moi ou, ben, ou l'autre, enfin celui-là qui est pas occupé avec le feu, genre commence déjà à faire un tour dans les autres maisons à l'extérieur. Genre un s'occupe de la maison principale et l'autre s'occupe de la maison d'extérieur, ce serait vraiment cool. Ça irait beaucoup plus vite. Ça serait intéressant de jouer comme ça. Ce serait vraiment intéressant. Puis après, il faut récupérer de la nourriture pour deux personnes. Mais honnêtement, quand on arrive à ce stade du jeu, on n'a pas vraiment de problème pour récupérer de la nourriture. Il y a beaucoup de... Et puis après, on peut, comme j'ai dit, on peut se rationner, genre se laisser mourir de faim jusqu'à ce qu'on doive dormir, par exemple. Il y a toujours cette solution. Nous, on la fait plus maintenant. C'est vraiment parce que on peut... on peut manger du loup constamment en fait, on peut manger tout maintenant. Mais sinon on peut toujours le faire, si vraiment un jour on arrive à un moment où on n'arrive vraiment à rien trouver en nourriture, bah c'est pas grave, on se laisse mourir de faim, puis on récupère le peu qu'on peut, le peu qui reste. Il n'y a rien du tout d'autre. Et on mange avant de dormir comme ce qu'on faisait au début, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais ouais, deux serait plutôt cool. Waouh, super. Un joli coffre comme ça, il n'y a strictement rien dedans. Quoi. Ça, c'est bien. Ah, les kits de couture, c'est bien, parce qu'on n'en avait pas trouvé la dernière fois. Je crois que notre exploration... comment ça s'appelait ? La voie ferrée détruite. Notre exploration de la voie ferrée détruite, on n'avait rien trouvé ce que pour... pour kit de couture ou pierre à aiguiser, on n'avait strictement rien trouvé. Donc c'est vrai que là, si on trouve des genre des pierres à aiguiser, ce serait vraiment vraiment cool. C'est un peu ce qui nous manque. En tout cas pour le tissu, on est tranquille. Pour le tissu, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de... Ah oui, il y a ça aussi à virer. On a beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De rideaux. On a beaucoup de rideaux. Donc on est vraiment tranquille. Le jean c'est quoi? C'est du cuir ou c'est du tissu? Cuir. Hein. Étrangement. Non c'est du tissu, c'est bien ce que je pense. J'ai rien dit, je dis de la merde. C'est juste du tissu du coup, on va le laisser là. Ok. Est-ce qu'on a tagué notre maison? Oui, on a tagué. Non, c'est pas celle-là. C'est là. Maison Hamilton. On n'a pas tagué notre maison. Maintenant, sortons et tagons. Ah, attendez. On pourrait manger les faillots et tout ça, là. Oups. On va pas les manger maintenant. Ok. On va sortir. On a encore le temps, on va sortir, on va faire le tour.
Et après, pour l'effacer, on se remet en mode comme ça, je crois, et on arrive... Ouais, effacer, ouais, maintenant, le truc. Ça, il fait joli en plus. Alors on va récupérer tout plein de petits bois aussi. Oh yes! Alléluia. Alléluia. J'ai même envie de... faire ça. Ah, parfait. C'est parfait. C'est parfait. Alors, faut faire attention, il y a peut-être des loups dans... Milton. Enfin, dans les rues. Donc, on va faire attention à ça. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits pour se protéger. Pas très froid, j'ai envie de me d'aller un peu loin en fait. J'ai pas froid du tout même. J'ai envie d'explorer. Si on allait à la maison, tu vois. Pourquoi pas? Ah, il y a une tour là-haut. Faudra qu'on aille à la tour. Il y a plein d'endroits. On va sûrement passer quand même pas mal d'épisodes ici, honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup d'exploration à faire à chaque fois. Et Milton est plutôt sympa pour ça. J'avoue que Milton est cool pour ça. On a encore des champignons à récupérer. On n'entend pas vraiment de loup. Après, si jamais on veut récupérer une viande d'élan... pas de la viande. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Pas une viande. Une peau d'élan. Pour faire une deuxième cape ou alors... J'ai envie de récupérer des lapins aussi. Enfin, je sais pas si on a besoin de récupérer les lapins. Attends, il y a encore un bois là, non? C'est un bois ça? Est-ce qu'on récupère les lapins ou pas? C'est vrai que les lapins ça peut nous aider pour les boyaux, c'est des boyaux faciles en fait. C'est un peu des boyaux faciles en fait les lapins, donc je crois qu'on va, en chasser quand même. Ah, là on couvre une belle zone, c'est cool. Oh, franchement on a un très beau temps. Je suis content, parce que là,
honnêtement, quand y a un mauvais temps dans Milton, c'est pas très compliqué, genre même un blizzard, je parle vraiment du vrai mauvais temps. C'est pas vraiment très grave, parce qu'il y a tellement de bâtiments à fouiller, donc vous pouvez passer votre temps en fait de bâtiment en bâtiment, donc vous êtes tranquille. Mais après, quand il fait beau, c'est pareil en fait, vous pouvez aller... Ouh. Oh yes! Ça c'est bien ça. Après c'est pareil, si vous avez un beau temps, vous pouvez aller très loin en fait. S'il y a énormément d'endroits à fouiller, c'est vraiment cool. Dans tous les cas, en fait, c'est toujours cool, Milton. Mais c'est un des endroits les plus simples. Mais comme j'ai dit, c'est simple. Parce qu'on peut tout manger, honnêtement. Comme ça, on n'a pas vraiment besoin de bouger très loin. Il y a des loups partout, il y a même des lapins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lapins, honnêtement. J'avoue que je suis un peu surpris. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de lapins. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Elle commence à être fatiguée. On a un livre sur la couture. Ça, on va le lire. Faut absolument le lire. Alors. On est un peu lourd. Et on est fatigué. On commence à faire nuit. J'avais envie d'aller jusqu'à là-bas. Mais on va peut-être pas le faire. Alors là-bas, il y a la station-service en fait. Je sais pas si on la voit d'ici. Ah, c'est ça, je crois. Ça, là. Ouais. La station-service, donc du coup, ça peut être utile. Il est où le lapin? Mais bon, il fait déjà un peu nuit, donc on va rester dans la ville même. On a même des massettes ici, c'est abusé. Quelques massettes. Merde, il est à droite. Le vent se lève. Quoi ce bruit? Très fort ce vent. On l'entend, mais on le voit pas. Faut toujours regarder si le facteur est passé. Même si vous avez un loup aux fesses. Même si vous avez un loup aux fesses, vous regardez toujours si le facteur est passé. C'est important, c'est très important. Ok, ok. Résultat des courses, on a un super bouquin, très 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 important. On a encore 5 boulots en plus. Ah ben putain, qu'est-ce qu'on a? 5 boulots en plus. On en a quoi, 15? Je crois qu'on en a 15. Les boulots, c'est pour les flèches. Bon, on peut alimenter une petite armée en flèches, en fait. C'est débile. C'est débile. Non, c'est énorme. C'est super. Moi, je suis content, moi. Mais c'est un peu abusé. On a vraiment eu beaucoup de chance, en fait, sur le nombre de bois. Alors, ce qu'on pourrait faire... il fait encore jour... Faut réfléchir, il fait encore un peu jour, elle est fatiguée. Est-ce qu'on a... On n'a pas à manger. On n'a pas vraiment à manger. On a ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on essaye de tuer le loup.
Honnêtement, faudrait qu'on se fasse le look à l'extérieur. Comme ça, on est tranquille. Le problème c'est où est-ce qu'il est quoi. On va récupérer des lapins en plus. On va récupérer ces lapins ici. Excuse-moi, t'es où? Ah ok, t'es là. On pourrait aller attaquer le loup. Hein. Oh waouh, trop bien. Mais oh! J'arrive plus à tirer sur les lapins maintenant, c'est bien. Après je tire un peu vite, je me concentre pas assez. J'ai même plus envie, j'ai plus envie. J'ai plus envie de chasser le lapin. Ça m'a coupé l'envie. Pas de maison pour nous protéger si jamais ils nous foncent dessus. Ah, il y a une voiture à gauche. Par contre, t'es embêtant, toi. En train de suivre le loup. Tu vas à ta meute? Comment ça se passe? On est bon. Merde, on est trop près encore. Ah, arrête de faire du bruit. Il est juste derrière.
Juste à droite, je crois. On peut quitter vers par les portes de l'avant? Ah oui. Mais merde, il est où ce con? Il est derrière ce bâtiment là. Merde! Putain de montée à la... Ah, c'est pas ma... C'est pas ma chance. Il va peut-être revenir. Aïe, 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 aïe. Je sais pas, je me sens pas très à l'aise en fait de chasser ce loup-là. Pourtant ça devrait pas être un gros problème, mais je sais pas, je le sens mal. Normalement vous savez, on se met sur un rocher, il nous fonce dessus, on lui met une fèle dans la tête, et puis après on mange et on est content quoi. Et là, là je sais pas. Je le sens mal lui. Un peu comme les lapins que j'ai loupés. Ça, c'est à cause des lapins que j'ai loupés, en fait, je pense. Bon, on retourne là-bas, on va essayer de récupérer les lapins, du coup. Il y a beaucoup de bruit, alors qu'il n'y a pas beaucoup de vent, je comprends pas ce qui se passe. Faudrait qu'on monte pour aller à la tour, je pense qu'on peut passer par là. Il y a plein de trucs à faire. Attends, elles sont mes flèches. Très bien. Honnêtement, je tire beaucoup avec les flèches. Vraiment parce qu'on a plein de... On a plein de morceaux de bois pour les flèches. Par contre, pour éviter de... qu'on lutte avec les plumes, on va les casser avant qu'elles se cassent. Comme ça, on récupère à chaque fois 3 plumes au lieu de 2. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas faire ça ou qui prennent pas la peine de faire ça, mais... Honnêtement, j'ai pas envie de passer 3000 ans à chercher des plumes ou quoi que ce soit. Donc on fera ça. Quand c'est sur le point de casser, on les casse. Alors... Alors, est-ce qu'on fait du feu maintenant pour faire à manger? Je crois qu'on va devoir le faire.
Alors on n'a pas beaucoup de bois, mais on va se débrouiller avec ce qu'on a. Après on peut casser les chaises et tout ça. Ok, c'est pas très grave. C'est plutôt tranquille. Très bien. Que 2 heures. Ah ouais, quand même. On va déjà faire un steak. Hmm. 39 minutes. Ah ouais, on va peut-être avoir un problème niveau temps. Ah, I'm starving. Non, attends, celui-là on va pas le mettre parce que celui-là c'est le grand. 3 minutes, 2 minutes, très bien. Ouais, très très bien. 1 heure, on a la chaise. On va faire ça. Congélateur, on va mettre l'eau. On va mettre l'eau en surplus. Non, pas ça. Ok, ah, c'est bon, on est bien. On va manger tous les lapins, là, les 4 lapins qu'on a, comme ça on sera rassasié. Comme j'ai dit, on n'est pas très... pas vraiment obligé de le faire, mais... Ouais, après, il va nous falloir quand même du loup. Il va nous falloir du loup, ou un cerf, un truc comme ça. De toute façon, il doit sûrement en avoir quelque part, qui traîne pas loin. Voilà, regardez-moi ça. Ouais, très bon. Voilà, on va pouvoir manger, enfin non, dormir, le ventre complètement plein, ce qui est bien. 23 minutes. Il y a les vêtements peut-être à réparer, non? C'est comme ça, ça nous ferait de l'expérience, ça peut-être. Ça, j'ai toujours peur que ça casse en fait, très facilement. Genre que ça se déchire en premier. Ah oui, on a ça aussi. Très bien. Il reste combien? 24 minutes. Voilà. Comme ça, on n'a pas besoin de faire plus que ça. Ça va, on arrive un peu à distinguer le sol avec ça. On va faire comme ça. Et les lapins, là, on va aller les mettre dehors. On les met dehors ou on les laisse dedans? On les laisse dedans. C'est pas très grave. Oups. On n'a qu'à les mettre là.
Voilà, maintenant on va dormir. On continue l'épisode, parce que bon, on n'est pas encore à une heure, et puis on n'a pas fait grand chose. Quoique, ouais, on a quand même exploré tout ça, c'est pas qu'on a fait, pas fait grand chose, c'est que ça s'est plutôt passé tranquille. Ah ok, le lit est bien. Ça s'est passé tranquillement, sans problème, sans accroche. Voilà, on va dormir. Donc notre but maintenant, ça va vraiment être de chasser un ours, pas un ours, un loup ou un cerf, pour vraiment avoir un stock de nourriture. Pour avoir un gros stock de nourriture, parce que là on est un peu... On est un peu à la diète. Et il nous faudrait du bois aussi, il nous faudrait vraiment du bois. Ça serait vraiment bien. Voilà. Ouais. Du bois et de la nourriture et de la viande. Alors, faut voir un peu les flèches. 25%. 25% ça peut encore passer. Je crois que 25% c'est 2 tirs si je dis pas de bêtises. Pas trop trop froid. Est-ce qu'on a vu des cerfs pas loin? Pas vraiment. Je crois pas qu'on ait vu des cerfs traîner. Après, on peut faire le tour des maisons aussi. On va sûrement, comme j'ai dit, trouver de la nourriture. C'est des chaussures, ça! Des chaussures brûlées, c'est la première fois que je vois ça. Fait pas très bon. Je vois aucun corbeau nulle part. Aussi, j'ai remarqué. Aucun corbeau nulle part, il n'y a pas de carcasse qui traîne. Bon, on va faire un fouillage des maisons. Allez. Fouillage. Parti. Il fait trop froid. Là on a encore des... Oh mon dieu, tout ce qu'on a en champignons et tout. On n'aurait pas dû en prendre autant. Je crois qu'on va... On va sûrement rentrer au lac Mystère, oui je pense. Si jamais on finit Milton, je crois qu'on va, on va partir. Mais on n'aurait pas dû en prendre autant. On devrait en déposer aussi dans la maison, parce qu'on a, je crois, plus d'un kilo maintenant de champignons et tout ça. Genre rien que pour faire cuire tout ce qu'on a, genre pour faire toutes les tisanes et tout. Ça nous prendrait je sais pas combien d'heures. Enfin, quoique, non, ça va vite quand même. Ça va 10-15 minutes, je crois, pour les créer. Mais oui, on pourrait passer plus de 2 heures, je pense. 3 heures à faire que ça. Quoique, non, si c'est 15 minutes, ça fait beaucoup plus. Non, non, ce serait plusieurs heures. Ce serait honnêtement plusieurs heures. C'est un peu abusé.
Ah, là, tu le sens bien, le bon intrus, là. Le bon côté intrus, tu fouilles 10 trucs d'affilée, rien. Oh. Je suis calorifique. Tellement rare ces bûches, la plupart du temps quand j'en ai, je les utilise jamais. Ça serait bien qu'ils rajoutent quelques objets en plus. Je sais pas ce qu'ils pourraient vraiment rajouter, mais... Il devrait avoir un support de mod qui va arriver pour le jeu. Donc peut-être qu'on fera des runs full modés, ce sera intéressant ça aussi. On va devoir aller à la maison déjà pour se vider parce qu'on a déjà trop d'objets. On va commencer aussi à déchirer un peu les tissus qu'on trouve. On va commencer à faire ça. Pas trop parce que sinon honnêtement on va passer notre temps à faire du tissu, mais faut qu'on commence à le faire. Plein de maisons, plein de rideaux, plein de tissus. Donc là c'est un peu la même chose que quand on était au petit cabanon là-haut, là. Enfin, vous vous rappelez, on avait récupéré tout plein de, on avait déchiré tout plein de rideaux. Et je crois qu'on est rentré, on avait quoi, 50 tissus, un truc comme ça. Donc là on fera un peu la même chose en fait. Ça sera notre réserve secondaire de tissus si vraiment on a besoin encore. Ça se passe bien. Ah ah. On a notre copain le loup. On va peut-être essayer de le chasser. On va peut-être essayer de le chasser. On va voir quand on aura fini ici. Il faudrait rentrer d'abord pour se vider les poches en fait. Puis après on peut peut-être essayer de le chasser. Pied de biche. Vous imaginez jouer entre choses qu'un truc. Le taux d'objets qu'on aurait ici. C'est pour ça qu'à la limite, honnêtement, moi, ça m'amuse même pas de jouer autre chose qu'un truc. Parce qu'il y a tellement d'objets. Alors après, si vous voulez faire des défis et tout ça, oui, d'accord, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais... Mais... Il faudrait laisser des objets, en fait, partout. Faudrait... Vous pouvez rien transporter et tout, c'est... Ah, une tisane. Hein. C'est un peu abusé. On a eu une tisane. On a déjà trouvé les tisanes avant? Je me rappelle plus. Je crois. Ouais. Tisane, ça nous permet de se reposer plus vite. Sinon après, qu'est-ce qu'on voulait, nous, absolument? Ouais, comme j'ai dit, c'était quoi? Pierre à aiguiser. Et qu'est-ce qu'on pourrait ramener ou utiliser encore? Pierre à aiguiser. Je me rappelle plus trop. Mmh.
suis en train de réfléchir, mais il y a rien qui me vient en tête. Il y avait d'autres choses aussi qu'on voulait. En vêtements, ah oui, peut-être en vêtements, des trucs mieux, mais ça m'étonnerait qu'on trouve mieux. Ça m'étonnerait grandement. Ouais, faut vraiment qu'on rentre. Ah, 20. Ah putain, 18, 10. C'est 18, 12. Eh merde, 18, 12, 25. Excusez-moi. Non, plus de 25. Ouais. Ok, ça c'est bon. Il y a tellement d'endroits à fouiller en fait qu'on a le temps de se réchauffer quoi. Ça aussi c'est méga rare d'avoir le temps de se réchauffer genre sans attendre, vous voyez ce que je veux dire? Là, on fouille tellement d'endroits que on peut se réchauffer complètement. Pas besoin d'attendre genre une heure à faire un livre. On va le laisser. J'ai pris le tissu par contre. Ça non plus, on s'en sert pas. Ok. Ah! Chien. Donc on a ça. Non, ça c'est 2 degrés. Bon, ça on a fini. On va essayer d'abord de rentrer à la maison pour se vider parce qu'on est vraiment lourd. Et après on voit pour le loup. Pourquoi j'arrête pas de dire ours depuis tout à l'heure? Ok, bien. De choses. Feu. Je me rappelle, je crois que la première fois que j'avais vu, j'avais découvert le fait qu'on puisse, c'était genre il y a 2 ans, un truc comme ça, qu'on puisse réchauffer les choses en fait, genre les tisanes et tout ça. Sans les mettre directement au feu, je crois que je l'ai trouvé complètement par hasard, et je pensais au début que c'était un bug. Je crois que c'était ici, c'était à Milton, c'est quand ils ont rajouté Milton. Et j'avais posé en fait plein de thé, de tisane en fait sur le côté comme ça, et j'étais en train de faire de l'eau ou faire cuire de la viande, je sais plus trop. Et j'ai vu que ça commençait à bouillir à côté, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça boue alors que c'est pas dessus? Et en fait après c'est là que j'ai compris qu'on pouvait faire bouillir les choses en fait indirectement. Et ça m'avait un peu... ça m'avait surpris en fait sur le coup. Et je l'ai... du coup bah oui je l'ai appris complètement par hasard en fait. À 10. 5. Voilà, ça on va commencer à les poser parce qu'on en a trop.
Et on en a encore plein à faire. Même les faire, ça va nous prendre 3000 ans. C'est un peu extrême, en fait. Genre en 59, et à chaque, je crois qu'il en faut à peine 2. Et après, on a 112, et il en faut, je crois, 6. Donc rien que ça, ça nous prend du temps. Rien que pour les faire, ça va nous prendre du temps. On peut passer genre 4 heures, je crois, à faire tout ça. Donc c'est un peu absurde. Il est là, Wolfie. Non, non, t'es mort. Non, non, t'es mort. Non, non. On a perdu de la vie? Non, non, c'est bon. On a eu l'animation qui s'est jouée pourtant. On va avoir froid. Ah, quoique. Ah mon dieu, c'est quoi à chaque fois ce bug? Oh là là. Ça c'est un peu embêtant des devs, c'est que à chaque fois qu'ils font une mise à jour, ils doivent toujours faire des fixes quelques jours après. Donc j'ai envie de dire, c'est... On va se réchauffer à l'intérieur. J'ai envie de dire, c'est un peu embêtant, j'ai l'impression que le jeu il est pas assez testé, peut-être. Ou alors ils ont pas le temps, alors je sais qu'ils sont... Ils sont une petite équipe et tout ça, mais honnêtement, avec tous les jeux qui sont jamais testés en ce moment, c'est... Oh, elle a cassé la flèche. Avec tous les jeux qui sont pas assez testés, et quand ils sortent, ils ont plein de problèmes, et puis après, les jeux meurent, en fait, extrêmement vite, parce qu'ils ont plein de problèmes, du coup. C'est... Je sais pas, c'est embêtant. C'est très embêtant de voir ça à chaque fois. C'est... Même pour eux, moi, ça commence un peu à... Ça m'énerve pas, ou ça me... Ça me désole pas, rien, mais... On va dire que c'est limite des fois. Parce que là, on voit qu'il y a quand même depuis. C'est la première fois que j'ai vu. C'est la première chose que j'ai vue, ça que je veux dire. C'est le fait qu'il y a ces problèmes directement depuis la mise à jour. On n'est pas encore complètement. Genre, je l'ai vu directement. Les temps de chargement aussi. Il y a la souris qui apparaît maintenant, c'est un peu étrange. Des fois, j'ai peur que le jeu crache en fait. À cause de ces chargements un peu étranges. Donc, je sais pas. J'ai vraiment des fois l'impression que les jeux sont vraiment pas testés. Genre pas testés, mais du tout. Donc, j'ai vraiment pas envie de penser ça d'eux. Parce qu'ils font du très bon boulot avec leurs petits jeux. Mais voilà, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Alors, on s'est réchauffé, qu'est-ce qu'on fait? On prend le reste de ce qu'il y a dans le loop. Est-ce qu'on a besoin d'une peau de loup, en fait? Le truc, c'est qu'on n'a plus besoin de peau de loup. Les boyaux, oui, mais les peaux de loup, non. On va la prendre quand même, pour par acquis de conscience. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de peau de loup, pour le moment. Enfin, pas pour le moment, plus. S'il n'y a pas de... S'ils nous font, ils nous sortent pas, je sais pas, des nouveaux vêtements avec des peaux de loup ou des trucs comme ça, genre des chaussures en loup. Ce serait vraiment cool. Ah oui, c'est vrai qu'on a les lapins aussi encore à faire. Faut qu'on fasse une petite réserve de boyaux aussi. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup de lapins à faire. Là, ça va trop lourd, ça. Ah, on les fera plus tard. Bah, le temps de se réchauffer.
commence à faire nuit. Faut qu'on mange aussi parce qu'on arrive bientôt au moment où on a plus de calories. Va falloir qu'on fasse de la cuisine maintenant. Je vais voir si on peut pas récupérer un peu plus de bois avant de faire du feu. Mais il va falloir qu'on mange. Oh wow, ok. Ah, il fait pas méga froid hein, quand on est protégé du vent, honnêtement. On est vraiment cool, hein. C'est pour ça, comme j'ai dit, grâce à nos vêtements extrêmement bons là, qui nous protègent et tout ça, c'est vraiment sympa. Hein. Bon, moins 9. Alors que là, on est en plein blizzard. Mais on est juste protégé du vent, donc ça va. Y a pas du bois facile à récupérer. Pas vraiment de bois facile à récupérer. On va devoir se débrouiller avec ce qu'on a. On va faire cuire, on va manger, on va dormir. Prendre le charbon avant. Voilà. Comme ça, on fait cuire la viande, on la mange direct. Parce que je crois que le temps qu'on la fasse cuire, c'est possible qu'on ait faim en fait. Bon, après, on a encore du. On a du thé, donc on peut patienter avec le thé, c'est pas très grave. Heures 47 minutes. Voilà, c'est comme ça que je l'avais découvert. Voilà, tout va se cuire en 40 minutes. 40 minutes, 40 minutes. Ouais, mais ça, c'est la hache. Est-ce qu'on peut récupérer du bois sans utiliser d'outils en moins de 40 minutes? Je crois qu'on va devoir boire une tisane. Ah, juste pour patienter un peu. Oh, quoique, au final, c'était même pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. Bon, il nous manque encore un peu de viande, hein. On n'a pas assez. Là, on va se remplir la panse. On va pouvoir remanger après la nuit. D'accord, mais sinon, c'est pas encore assez. Encore 2 heures de feu, elle est pas fatiguée. Qu'est-ce que j'avais dit? On peut faire ça. Couture peut-être? Ou lire peut-être? Peut-être lire. Pour la couture. Lire pour la couture. Je sais pas. Oui, je pense que lire pour la couture, ça peut être bien.
je pense qu'on est bon. On va pouvoir partir. Ça, on le laisse, ça, on le laisse. 40 minutes, ok, c'est bon. On va monter, on va dormir. On va récupérer ça, vite fait. Il nous faut passer le temps. Par contre, je sais qu'on voit rien, mais... Oh, 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 putain, on aurait dû qu'il y avait un truc devant moi. Après, les fenêtres donnent beaucoup de lumière. Enfin, les fenêtres elles-mêmes, elles projettent pas de la lumière, mais on les voit éclairées, en fait. Donc... Donc ça va. Ah, on a encore du... Ah oui, une boîte de récupération, c'est vrai. Au final, on a pris du bois de récupération, mais... Je l'utilise pas. Je regarde si on a des choses à jeter... Enfin, pas à ranger plutôt, pas jeter. Ça c'est bien, ça c'est bien. Très bien. Ah bon, on va passer du temps à casser les... À, non, pas à casser, à créer les... D'abord poser le bois là. Hop, hop. On va monter. Vous voyez, on peut assez se repérer. Enfin, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Mais il y a beaucoup de fenêtres en fait, on se repère juste aux fenêtres. Ouais, le lit est par là, c'est très bien. On se repère un peu aux fenêtres et hop, ça passe. Donc du coup, on peut plus lire. Donc ce qu'on va faire, elle est pas fatiguée. Pas trop fatiguée. On va faire ça. Une heure de ça. Quoi, peut-être même plus, on va attendre que ça soit le milieu de la nuit. On en a plein, on en a plein. C'est abusé. On va en laisser ici, on va en laisser au moins une vingtaine. Hein. On va pas partir avec tout ça, parce que sinon ça va être complètement con. On va partir avec 3000 thé, on pourra boire, manger que du thé, en fait. Vivre du thé. Ça serait bête. Ok, faites voir un peu. Ouais, non, là c'est bon. Là on peut faire... 10 heures et elle va se réveiller, il fera jour. Ouais, non, ça c'est bon. Ok, parfait. Bon, bah ça, c'est bien passé, on a eu notre loup. Bon, avec un peu l'animation bizarre, mais bref, on ne s'est pas fait attraper, ça va. On a tué notre loup, on a récupéré la viande. Il n'y avait que 4 kilos de viande, c'est pas énorme. Donc le prochain jour, ça va être encore la même rebelote, exactement la même chose. Récupérer du bois, récupérer de la viande. Il faut absolument qu'on ait de la viande de réserve, de la nourriture de réserve, parce que pour l'instant, on n'a rien. On se débrouille avec ce qu'on a, comme j'ai dit, si vraiment on est vraiment dans la dèche, on peut toujours genre mourir de faim la journée et après juste manger la nuit. Mais on va pas faire ça, parce que maintenant on est un tueur, quoi. On est le chasseur, donc voilà, va falloir qu'on chasse. À la prochaine, ciao ciao.